Salut les joysticks, c'est Vanaxul et bienvenue dans La Passionnée de Musique Découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaye de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut être du jazz en passant par le hip-hop, le death metal, des trucs plus ou moins underground, plus ou moins obscurs, donc n'hésitez pas à suggérer n'importe quel artiste en commentaire auquel vous voudriez que je réagisse. J'essaierai de faire ça, j'ajoute ça dans une liste, et de temps en temps je pioche dedans, et je fais des vidéos avec ça. Donc un grand merci. Aujourd'hui on attaque un groupe que j'aime beaucoup, j'aime surtout les premiers albums, c'est Gorillaz. J'adore le premier album, album éponyme il me semble, avec Clint Eastwood et ce genre de morceaux, donc un bien influencé hip-hop le premier album. Et j'ai pas trop suivi les derniers, on va dire, 10-15 ans. Et là j'ai vu qu'ils avaient sorti Cracker Island avec Thundercat. Thundercat qui est un producteur bassiste américain qui est très doué. Donc curieux de voir, à mon avis ça va groover. Curieux de voir ça. Le clip est en 3D avec les personnages typiques de Gorillaz. Donc très cool. On va se faire ça tranquille ensemble. Et puis je donnerai mon avis à la fin. Allez c'est parti. Très électronique. Très dansant. Ça c'est Thundercat. Beaucoup plus dansant que ce à quoi je m'attendais. Nice. Le clip est cool. Le clip fit bien le morceau musicalement. Un petit côté hôpital psychiatrique hein. Mélange personnage en 3D et décor réel fonctionne bien. Très groovy hein. Derrière là, royal. Oh le gros, limite funk, tu vois. Gros banger encore. Assez répétitif, mais fonctionne très bien. Bien sûr, c'était lui qui était en mode inquisiteur. J'étais obligé. Ouh, la ligne de basse là. Il m'a régalé. Grosse touche électronique derrière. Un beau mélange des genres. Très intéressant. C'était Gorillaz et Cracker Island. Blessed are the cracked for they show let in the light. Groucho Marx. Très intéressant, c'était un super morceau, je m'attendais pas vraiment à ça, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Et effectivement, ils ont une approche un peu plus électronique, ils nous emmènent un peu dans un délire électronique au début. Et finalement, on a un petit, ce petit revirement quand Thundercat arrive avec les petites voix un peu limite disco-funk, tu vois.
grosse ligne de basse. Donc on a cette espèce de mélange des genres disco, funk, électro, mais qui est bien ancré aussi un peu dans la mode actuelle de revenir un peu aux fondamentaux. Par exemple Daft Punk avec Random Access Memories l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal de chansons qui empruntent au disco et au funk. Le côté très dansant, et je trouve que de ce côté-là c'est un banger, ça fonctionne bien. Un peu répétitif, mais je comprends le délire, tu vois, je comprends de dire vas-y on a un truc un peu, ça revient en boucle et tout, et ça reste dans la tête des gens et ça leur donne envie de danser. Bon, le clip comme d'hab, bah, il est très 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 propre. On est vraiment très 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 loin dans le délire. Je sais pas s'il y a eu des changements de line-up chez Gorillaz, mais on sait que c'est Damon Albarn à la tête du groupe, hein, donc chanteur, compositeur de Blur, pour ceux qui connaissent pas. Donc il est un peu à la tête du groupe et tout. Je sais pas s'il s'entoure de différents musiciens, toujours est-il que voilà, il s'entoure de ces personnages là, ces différents personnages de Gorillaz qui fonctionnent très 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 bien. Et il nous a encore signé un très très bon single. Je suis curieux d'aller écouter les albums auxquels je suis passé à côté. Je suis passé à côté de quelques albums, donc je suis curieux d'aller réécouter ces albums. Parce qu'effectivement le morceau était super intéressant, production impeccable, rien à dire. T'entends tout, t'entends la ligne de basse, les petites nappes électro, en moi il te met des petites nappes de lead derrière là, des petits trucs un peu, tu vois, des pianos un peu lead synthétiques, mais qui fonctionnent très très bien. Et ouais, vraiment très 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 bon morceau. C'est pas genre exceptionnel, c'est juste, en fait, il fonctionne très bien, c'est un bon banger de 3 minutes 30, format single. Et de ce côté-là, bah la checklist est cochée et il nous amène dans un truc, dans un univers assez intéressant en mélangeant, comme je disais, funk, disco et électro. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai passé un bon moment et je vous dis à la prochaine, Loustic. Allez, ciao, des bisous.